liberté. Voilà. Ça vous remonte, que voilà. Ça remonte. Le Seigneur la libère. Oh, le Seigneur la libère. Le Seigneur la libère au nom de Yeshua. Au nom de Seigneur, elle est libre. Elle est libre. Tu as assez tenu notre famille là, c'est terminé pour toi, c'est terminé. Allez. Vous sortez totalement. Sa restauration en même temps au nom de Jésus. Sa délivrance, la famille est restaurée. Alléluia. Voilà. La famille est libre. Oh là là. Tous les caméras libérés. C'est le nettoyage. L'amour de Jésus dans ton cœur, ma cousine. Alléluia. Sa délivrance. Voilà. On va baptiser ma famille, ma cousine. Mon cœur dans la joie là, c'est magnifique. Donc elle a reçu sa délivrance tout à l'heure. Et là on va la baptiser. Et du coup voilà. Par la grâce du Seigneur. Elle est dans la joie. Et donc tu laisses la cigarette, voilà, le vol, tu laisses le péché, tu laisses tout. Oui. Au nom de Jésus. Voilà. Amen, amen. Donc on va te baptiser au nom de Jésus Christ. Voilà, notre sauveur. Voilà. Comment tu te sens? Très bien. Alléluia. Bon, Maïssa Cabrera, je vais te baptiser au nom puissant de Jésus-Christ. Je te baptise. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malaïssa est sauvée. Amen. Malaïssa est sauvée. Amen. Malaïssa est sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Oh, yes, 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 yes. Alléluia. Wow. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc on est bien sur Évangélisation des Nations. Donc là on est vraiment dans la joie et là il y a ma cousine, Malaïssa Cabrera, qui s'est baptisée aujourd'hui. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans ma famille en ce moment là, c'est un réveil comme pas possible. Et il y a une prise de conscience envers le Seigneur et c'est magnifique, frère et sœur. Et là ce soir on a prié pour sa délivrance, elle a reçu sa délivrance, on l'a baptisée. Et ben, c'est magnifique. Donc, comment tu te sens maintenant, Malaïssa? Mais je me sens libérée. Libérée? Libre. Et comme une plume, en fait. Comme une plume. Et rafraîchie, fraîche. Ouais, ouais, ouais. Je me sens bien. Dans ton ventre, tu sentais dans ton ventre, c'était compliqué, il se passait quelque chose dans ton ventre? Oui, il se passait. En fait, je ressentais les choses à l'intérieur de mon ventre qui tournaient. Et un poids au niveau de mes reins. Mmh. Et c'était un combat en fait. C'était, wow. C'était vraiment un combat. Donc elle a reçu sa délivrance et donc, en fait elle réalise par là que le nom de Yeshua, parce que tu sais que Yeshua, comme je t'ai dit l'autre fois, son vrai nom c'est Yeshua, Jésus. C'est la lettre J n'existe pas en hébreu, donc c'est Yeshua son vrai nom. Donc Yeshua t'a délivré, on voit par là que son nom est puissant. Tu te rends compte de sa puissance? Son nom est vraiment puissant. Et tout à l'heure, tu disais une chose qui nous a vraiment surpris hein, récemment, tout de suite là.
que quand on priait pour elle, elle a entendu comme si on était beaucoup de personnes en train de prier pour elle. Oui, vous étiez nombreux, en fait, j'entendais que comme s'il y avait plusieurs voix qui parlaient, des milliers de personnes, et c'était un combat, en fait. Et en fait, c'est, en fait, moi, pour moi, c'est le royaume, parce que la Bible dit qu'au ciel, lorsqu'il y a une âme qui se convertit, il y a la fête au ciel. Donc en fait, c'est la fête qui était au ciel, là. Il se passait il y avait une activité dans l'esprit, spirituellement, et c'était le Seigneur qui était en train de t'arracher en fait de la puissance des démons pour t'emmener dans son royaume, voilà, son royaume de lumière. Et en fait, voilà, t'es aujourd'hui enfant de Yeshua. Amen. Voilà, c'est magnifique. Et qu'est-ce que tu peux dire à la famille Cabrera? Ben, qu'il faudrait faire le pas. Et vraiment accepter Yeshua dans notre vie, faire sa volonté et le suivre en fait, pour qu'on puisse hériter de son royaume, qu'il nous fasse une place. Ouais. Donc voilà, en fait, et tellement qu'elle avait envie de donner sa vie au Seigneur, elle nous dit qu'en Guadeloupe, au mois de juillet, août, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, elle est partie dans la mer, et en fait, elle s'est baptisée toute seule en fait. Tellement, tu peux dire ça un peu, parce que c'est, oui, on a vraiment la soif. Ben, je voulais qu'on me baptise en fait, donc je l'ai fait de moi-même. Et je sais que ça n'avait aucune signification, mais je voulais en fait qu'on recevoir le baptême. Wow. En fait, tu voulais toute cette vie-là, qu'elle soit enterrée là. Voilà. Toute cette vie-là, c'est ça en fait, c'est ça que tu ressentais dans ton cœur. Voilà. Tu voulais que... Et ressentir... Nouveau. Alléluia, c'est magnifique. En tout cas, frères et sœurs, le travail que le Seigneur fait, c'est ça. C'est aussi ça le but de la chaîne que nous avons, c'est d'annoncer l'évangile pour nos familles. Parce que c'est vrai qu'on pense souvent aux autres, aller dans le monde, sauver les gens. Mais frère, la Bible dit quoi dans Timothée? Que celui qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Et on voit par là que le Seigneur nous sauve, mais nous devons penser à nos familles touchées. Donc on commence à partager la parole et là on se revoit aujourd'hui pour le baptême. Et je me rends compte qu'en fait on a une grande famille, voilà, vous aussi qui nous écoutez. Et il faudrait prendre soin d'eux et chercher en fait à leur manifester cet amour que le Seigneur nous donne pour pouvoir la transmettre en fait en vérité. Et c'est magnifique. Et aujourd'hui tu es libre, oui. Tu es libérée ma cousine. Libérée, voilà, elle a confessé le péché, tout ça, le vol, tout ça, le péché. Et masturbation, tout ça. Il faut le dire comme ça, les gens vont entendre que c'est ça qui fait que les démons rentrent dans nos corps, en fait, en vérité. Vous voyez, ça, c'est, tu te rends compte aujourd'hui de ça. Hein? Oui, oui, oui. En fait, c'est le péché qui fait que les démons rentrent dans nos vies et nous détruisent. Vous voyez. Et c'est une réalité. Et aujourd'hui, à travers sa délivrance, elle se rend compte qu'en fait, que c'est pas des histoires. C'est pas un conte de fées. Jésus est puissance. Et malheureusement, aux Antilles, beaucoup de personnes disent... En catholique, en quémant catholique, eh ben, ça en fait dire ça comme ça, là, c'est comme si tu vous condamnais vous-même. Parce que être catholique ne va pas sauver quelqu'un. Parce que le catholicisme est contraire, en fait, c'est opposé à l'évangile. Parce que le catholicisme est basé sur l'idolâtrie, l'adoration des hommes. Et alors que la Bible dit quoi? Qu'il faut adorer Jésus-Christ et lui seul. Et dans 1 Timothée 2, verset 5, il dit quoi? Il n'y a le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Malheureusement, le catholique va dire Marie, il faut passer par Marie. Alors que la Bible dit quoi dans 1 Timothée 2, 5, 2, verset 5? Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, ça, rien que ça, déjà, c'est la confusion pour la doctrine qu'on nous dit dans le catholicisme qu'il faut prier Marie. Donc, vous voyez, frère, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, mais c'est pour vous dire par là que la délivrance, notre restauration, ne vient que par Jésus. Et aujourd'hui, elle a été délivrée par le nom de Jésus et non par le nom de Marie. Vous voyez? Donc en fait, voilà pourquoi il faut prier le Seigneur. Tu vois? Et donc voilà. Veux-tu dire quelque chose? Oui, concernant mes péchés. Oui. Ben, je voulais, je trichais. Un plus fort. J'avais des rapports sexuels avec les femmes, sous l'emprise de drogue, etc. Et je fais pas mal de bêtises. Et ben, c'était l'œuvre du diable en fait. Et maintenant aujourd'hui, Yeshua m'a délivré. Et je continuerai de lui plaire. Amen. Wow. Oh, c'est magnifique ça.
Et en fait, le fait que tu confesses tout ça, en fait, c'est que l'ennemi l'a pointe aujourd'hui. Tu refuses tout ça dans ta vie, en fait, tu vois. C'est... Tu veux la vie éternelle, le paradis. Waouh. Oh non, non, Seigneur. Donc la famille, la Cabrera, la famille, vous envoie bondier fidèle. Il faut venir au Seigneur pour être sauvé. Et il va vous délivrer, vous restaurer. Et ça commence fortement. Et donc voilà, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour vous expliquer un peu, pour ceux qui ne savent pas que les démons existent, oui, les démons existent. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, a chassé les démons qui étaient dans les corps des personnes. Donc, c'est une réalité. Nous sommes dans un monde, voilà, tout n'est pas rose autour de nous. Il y a le diable qui existe, les démons qui existent. Et les démons habitent dans les corps des hommes et des femmes qui vivent dans le péché et qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Et c'est des démons. Si vous voyez comment ils sont, véritablement, vous serez choqués. C'est une réalité. Ce n'est pas comparable à Halloween, tous ces déguisements d'Halloween. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ils habitent les corps des hommes. Et celui qui les a vaincus, c'est Jésus-Christ. Sur la croix, lorsqu'il est mort sur la croix, la Bible dit qu'il a, il a vaincu le diable sur la croix. Il a effacé l'acte des dons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En fait, Jésus est venu nous délivrer de la puissance du diable. Il est venu détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que toute personne qui s'approche de Jésus-Christ, qui donne sa vie à Jésus, eh bien, automatiquement, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, vient dans le cœur de la personne et habite son cœur. Voilà, il devient le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et le Seigneur le purifie, le nettoie, efface ses péchés. Et quand la personne meurt, elle ne va pas en enfer. Elle va au ciel. Parce que le but des démons, c'est que tu meurs dans tes péchés, voilà, et que ton âme aille en enfer, et que tu puisses passer l'éternité dans une souffrance que tu ne peux même pas imaginer. Donc, on en parle dans Luc 16, au verset 19, voilà, de ce lieu terrifiant, de tourment, où beaucoup de personnes vont. Et Jésus veut qu'on aille dans le paradis, le royaume des cieux, un royaume extraordinaire, extraordinaire, il y a la vie éternelle, la bonté, l'amour, l'éternité. Et c'est là que le Seigneur veut qu'on aille après notre vie sur la terre. On vit qu'une fois, hein. Pas deux fois, pas trois fois, on vit qu'une fois. Et voilà, et ma cousine, elle a donné sa vie à Jésus et le Seigneur l'a délivrée de tous ces esprits, ces démons qui habitaient son corps. Tout simplement, elle a confessé les péchés dans lesquels elle était. Voilà, et le Seigneur l'a délivrée et aujourd'hui, elle est en paix. Elle est en paix, elle est en paix. Et c'est une grâce. Et c'est une réalité. Le Seigneur ne cherche pas à ce qu'on aille dans une église, ne cherche pas à ce qu'on aille tous les dimanches à l'église ou quoi. C'est pas ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut de l'humain, c'est une relation de cœur à cœur. Vous voyez? Voilà, qu'on obéisse à sa parole, qu'on puisse aimer notre prochain comme nous-mêmes. Les deux plus grands commandements, c'est quoi? C'est aimer le Créateur de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, voilà. Et le deuxième commandement, c'est quoi? Il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est ça que le Seigneur veut de nous, c'est qu'on puisse lui parler, lui exposer nos soucis, exposer nos souffrances, exposer tout ce que nous avons dans le cœur. Et dans la Bible, dans Matthieu 11, au verset 28, il dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Donc, quand tu viens à Jésus, il te donne du repos, le repos de l'âme, le repos de l'intérieur. C'est ça que Jésus opère, il donne la paix intérieure. Et nous sommes dans un monde où très peu ont la paix intérieure. Les humains n'ont pas la paix intérieure. Et Jésus veut nous donner la paix de l'âme, la paix intérieure. Et c'est ça qu'il produit. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'elle soit délivrée. Pourquoi le Seigneur permet cela? C'est pour qu'il démontre aussi sa puissance, qu'il démontre qu'il existe et qu'en son nom, au nom de Jésus, les démons quittent les corps des hommes et des femmes. Et c'est un poids qui était sur sa vie. Et c'est ça, quand les démons quittent les corps, ça produit ça en fait. Alors, ils peuvent partir de manière sans qu'il y ait de bruit ou quoi. Et parfois, ils peuvent se manifester comme ça a été le cas dans la vidéo. Donc les démons existent, le diable existe. Et on le voit aujourd'hui, les gens adorent le diable, hein. C'est une réalité, c'est une réalité. Ils adorent Halloween, ils adorent les démons, il y en a qui ont fait des pactes avec le diable. Donc en fait, c'est une réalité. Et Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la puissance du diable.
Après, chacun fait son choix. C'est le libre arbitre que le Seigneur nous a donné. Donc toi qui entends ce message, viens au Seigneur et il va aussi te délivrer de tous les démons qui te poussent à fumer, qui te poussent à te bagarrer, qui te poussent au mal, qui te donnent des pensées impures, des pensées mauvaises. En fait, Jésus va te nettoyer, il va te purifier, te nettoyer et tu deviendras son fils. Comme le dit la parole dans Jean chapitre 1 au verset 12, tous ceux qui ont reçu le nom de Jésus, voilà son nom, ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc en fait, on devient enfant de Dieu lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Donc parce que lorsque Adam et Ève ont péché, tout le monde est devenu, a été séparé du Seigneur. De ce fait, on est devenu créature de Dieu. Parce qu'on devient son enfant quand on lui obéit. Un enfant obéit à son père. Et pour obéir au Seigneur, il faut devenir son fils. Et c'est lui-même qui va nous aider à lui obéir parce qu'il a payé de sa vie sur la croix. Le sacrifice parfait qui nous délivre de la puissance du péché. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés, non par nos efforts, nos bonnes actions, c'est par la grâce. Donc on a besoin d'être gracié. Et pour être gracié, eh bien, il faut simplement venir à Jésus. Donc jeunesse, toi qui entends ce message, voilà, il faut venir à Jésus. Donc je bénis le Seigneur pour ma cousine qui a été délivrée par le Seigneur. Et je crois que c'est un début, voilà, un gros travail qui commence dans nos familles respectives. Voilà pourquoi c'est important que les chrétiens puissent penser à leur famille. Et parce que beaucoup de chrétiens pensent que c'est le fait d'aller à l'église qui va sauver leur famille. Non, c'est le fait d'obéir au Seigneur et d'être un témoignage dans sa famille. L'amour, leur manifester l'amour. En fait, il faut que ta famille voit le changement dans ta vie pour qu'eux aussi veuillent aussi être changés par Jésus. Voyez ? Donc voilà un peu ce petit message pour un peu éclairer un peu ce point sur la délivrance par rapport aux démons et par rapport à tout ça pour que vous compreniez en fait que les démons existent, ils sont très méchants et leur manifestation se manifeste par le mal dans la vie des hommes et des femmes. Le mal, voyez. Donc dès que quelqu'un est dans le mal, voilà, c'est qu'il y a forcément des démons qui habitent son corps, il ne le sait pas. Mais c'est les démons qui sont à l'origine de cela. Et quand tu viens à Jésus, eh bien, il te délivre. Voyez. Donc voilà. Allez, à bientôt. Et ceux et celles qui veulent leur baptême, voilà, ben vous pouvez laisser un commentaire ou envoyer un mail sur contact@evdn.org. Et nous allons prier pour vous par la grâce du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà un peu le travail que le Seigneur nous demande de faire en tant que chrétien. Chrétien veut dire être comme Jésus, plus précisément disciple de Jésus-Christ. Je ne suis pas une religion. Voilà, je ne suis pas catholique, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas protestant, je ne suis pas musulman, je n'appartiens à aucune religion, mais simplement j'appartiens à mon Créateur, à savoir le Seigneur Jésus-Christ qui est mon Créateur, mon Père, mon Seigneur, il est mon Maître, il est mon tout, et c'est lui que j'obéis tout simplement à travers la Bible, sa parole, tout simplement qu'il nous demande de marcher dans la vérité, de marcher dans la repentance, de marcher dans le pardon, de marcher dans toutes ces choses, et voilà, et de croire en lui, d'avoir la foi en son nom. Tout simplement. Voilà, à bientôt. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt.